Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est vendredi 1er mars 2024. Bienvenue dans la dernière édition Journal Créole, nous, en collaboration avec VOA Créole. Actualité a dominé dans le pays d'Haïti par Jimmy Cherizier alias Barbecue, qui offrit une deuxième fois une conférence de presse dans la deuxième journée. Pour mobilisation gang yo même yo a fait dans pays d'Haïti accompagné de plusieurs lotan latrier nèg qui chargé examen et bien ça Barbecue lui-même il déclaré la continue bataille ça jusqu'à ce que Ariel Henry lui-même li quitter boutte pays d'Haïti a dans tête pouvoir ça actualité a toujours dans pays d'Haïti actualité a toujours concernant pays d'Haïti pays Kenya a pays ak Haïti signé un accord pour officialiser définitivement déploiement 1000 policiers, un pays qui a 1000 policiers kenyans pour entrer dans le pays d'Haïti dans le cadre de mission multinationale pour sécurité dans le pays d'Haïti. Actualité dans le pays États-Unis, duel démocrate et républicain dans l'occasion visite du président Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump sous frontière pour États-Unis lui-même y partager ensemble avec le pays Mexique. Gros et grand hommage dans la ville de Moscou, dans l'occasion funérailles Alexei Navalny, qui était un opposant numéro un pour le président russe, qui c'est Vladimir Poutine. C'est tout pour ça. Avec divers plots, nous allons gagner pour nous développer pour aujourd'hui dans le journal ça. Restez connectés avec nous, une façon pour capable bien informer. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement journal SILA. Actualité a toujours dans le pays d'Haïti avec un gros vent tension lui-même qui soufflait après Premier ministre Ariel Henry te fin déclaré et annoncé lui-même organiser élection 31 août 2025 qui pral venir très prochainement. Et bien, gang yo gagné Jimmy Cherizier ensemble avec plusieurs autres chefs gang yo mette tête yo ensemble dans question unie pour qu'yo même yo capable et bien déployer pour bay Ariel Henry yon réponse. Et Ariel gagné Jimmy Cherizier lui-même qui mette tête li ensemble pour qu'yo capable et bien offrir une conférence de presse pour annoncer que bataille ça qui a fait là c'est puisque lui-même li a parlé non tout temps nèg qui pote zame qui illégal yo et bien pour qu'yo même capable prendre zame ça pour retourner contre Ariel Henry ensemble avec tout acolyte li yo yon façon capable aider population à aller en souffrant dans ça qui yo même yo yé jeudi là hier il était annoncé que lui-même tout nèg yo pour capable faire un seul pour capable contrecarrer Ariel Henry jeudi a Jimmy Cherizier une autre fois encore lui-même il déclaré dans la presse pour population mettez tête ensemble pour que capable mobiliser manifester libre et libre pour que lui-même soit capable bail Ariel Henry mon pièce li côté il y a lui-même il capable tout rester là parce que la fait question organiser élection 2025 ça n'est pas dans calendrier ni nèg examen ni civil qui pas pour examen dans ce ça Ariel Henry capable trouver là gain gros problème ensemble avec Jimmy Cherizier avec tout l'autre nèg gang yo qui pour examen qui illégal plusieurs moun zami internautes hier rivé touché par plusieurs balles l'hôpital général recevoir plus que 25 moun qui touché balle dans Ruel Camo rue d'enterrement Oui, c'est honoré avec un oui capoua qui prend aussi des balles marron. Moun sa yo, gen moun qui prend boule balle dans bouche, gen balle dans pied, balle dans bouboune, ak plusieurs l'autre côté dans koyo, ça arrête yon véritable tête chargée dans le cadre d'un gang qui sorti pour capable et bien théoriser population dans le cadre qu'on côté que yon même annoncé fait connaître que c'est une façon pour capable contrecarrer Ariel Henry dans tête pouvoir pour capable aider. Population haïtienne assouti nan vieux chaos li même lié jodi a et bien nan même sens ça gang yo même déployé nan commissariat portail de Ougane boulé commissariat qui trouvé nan sous portail là bien en bon repos yo même tout yon l'autre équipe assouti boulé directement commissariat bon repos et parmi la deux gagné quatre policiers qui vivent février pour payer son chapeau, gagnent deux garçons et deux filles, gagnent un inspecteur, et bien, yon même, yon arrivé mourir après que yon tap mandé renfort ensemble avec tête PNH là, France LB, pour comment yon capable de voyer blender, aider yon à soutenir dans la difficulté que yon même yon teye, mais malheureusement,
bien policier ça au même yo il fait vrai pour payer son chapeau ça rappelle directement à dans un coup qui comment policier au même yo t'est arrivé mourir yo pas jeune koyo rivé mourir dans village de Dieu yo pas jeune koyo mais fois ça encore yo quatre policiers rivé mourir sans que yo pas arrivé jeune koyo et jusqu'à présent gagné une grand responsable SPNH qui c'est Gary Jean-Baptiste lui-même il t'a demandé ensemble avec tout policier pour capable rencontrer ensemble avec Jodia en bas numéro Jean sous la lui pour qu'il capable demander Ariel Henry ensemble avec France LB matériel qui nécessaire pour capable al contrecarrer gang yo en dedans bon repos pour capable al prend coffre d'amio qui trouvé yo mouri en dedans commissariat jusqu'à présent rien pas jamais réalisé et bien population décidé pour manifester faire en seul ensemble avec et ensemble avec Gary Jean-Baptiste pour comment qu'il capable récupérer corps policier qui mouri en dedans directement amis internautes commissariat dans bon repos. Bagayo toujours compliqué amis internautes gagné dans Wanamintou gagné hier soir côté que le commissariat Wana maintenant li attaqué par différents bandits aux environs de minuit et ben bandi sa yo fait une vingtaine de minutes côté que yo a attaqué et ben grâce ensemble avec vigilance quelques policiers yo même qui rivé et ben couri des bandi sa yo qui fait que commissariat lui-même yo pas rivé crasé là et même boulé là pour pas dire tu as même rivé boulé quelques policiers même gens qui ont été boulé quatre policiers en dedans bon repos bagaille là c'est toujours difficile et gagne tous amis internautes divers côtés en dedans capitale là côté que nèg examen yo sorti pour prendre jodia et bien rivé attaquer et même entrer en dedans lycée tout c'est l'ouverture dans bloc oui c'est honoré plusieurs tirer en pile monde mettez corps pour qu'il capable tirer la police mettez là yo pas capable contrecarré bandio dans échange de tir ensemble avec la police et bien divers monde rivé prend balle et bien l'a regardé action ça comme quoi qui c'est un film qui au même yo yé dans pays d'Haïti que vous capable dire qu'on a regardé dans télévision mais jodi a avec une déclaration à Ariel Henry ça question élection 20 31 mars 2025 là mettez tout le monde à regarder film visiblement sans que c'est pas dans télévision ni sur réseaux sociaux que au même ou regarder qui ça qui a fait. Eh bien dans pays Kenya madame mademoiselle et monsieur gagné et pays premier ministre Ariel Henry après que lui-même lui sorti directement dans Guyana dans 46e sommet CARICOM non lui-même qui allait pour qu'elle capable signer un accord ensemble avec pays Kenya pour déploiement force multinationale à entrer dans le pays d'Haïti. Et bien jeudi vendredi 1er mars là il y a pays Kenya qui était reçu qui était accueilli et bien délégation haïtienne non et bien qui gagné Ariel Henry ensemble avec James Cadet gagné deux ministres intérieurs yo même yo réuni ensemble et bien deux présidents yo réuni ensemble nous voulons parler de ministres intérieurs yo de Kitouré Kindiki ensemble avec ministre intérieur haïtien James Cadet et gagné deux présidents président William Ruto ensemble avec premier ministre Ariel Henry et bien quatre moun sa ont rencontré mais deux moun qui signent accord pour que président pour que Haïti capable de recevoir 1000 policiers kenyans qui va rentrer dans le pays d'Haïti et bien c'était James Cadet comme haïtien lui-même qui te signé comme ministre intérieur dans cadre côté 1000 policiers pour être capable rentrer dans le pays d'Haïti dans tête mission ça que capable vini contrecarré gang dans pays d'Haïti et bien mission ça lui-même non titre qui pas trop loin pour capable communiquer nous-même dans émission parler pour Haïti n'a capable et bien faire connaître qui est et qui date et bien on va entrer dans pays d'Haïti pour capable contrecarré gang pour capable aider policier national d'Haïti à comme contre gang qui a pas problème dans pays d'Haïti pour ça tous amis internautes gagné nan moment n'a parlé là situation li paraît un petit genre compliqué dans divers endroits dans pays d'Haïti gagné dans zone métropolitaine dans bloc rue du centre gagné commissaire gagné pénitentiaire national lui-même plusieurs nèg examen et bien a mené a manigancé pour comment qu'il capable craser pénitentiaire national et mettre
pour émettre moun qui en dedans prisonnier qui dehors yo façon capable gagne plus gang qui dehors pour capable faire travail ça qui va vous faire réaliser projet ça qui gagne pour capable craser et mettre Ariel Henry et vraiment en quarantaine la côté qu'il y a pour qu'il capable tout rester côté qu'il y a et bien monsieur Sayo était déjà metté yo premier petit fait derrière commissariat et bien capable vivre joindre au projet opportunité pour capable craser prison et bien jusqu'à présent la police nationale d'Haïti lui-même lui a fait en pile manigance pour commencer li capable repousser nèg sa qui a bay problème dans pays d'Haïti. Je dis a te gagne une gros manifestation côté que en sous d'Elma 40 là nèg exam ensemble avec plusieurs moun dans population yo rivé mettre du feu dans EDH d'Elma 40 là. Ça c'est un gros problème qui existait zami internautes et bien moun yo même yo fait connait puisque Ariel Henry lui-même va décider by tête pouvoir yo même y a organisé pour faire tout ça qui connaît pour que même yo capable by Ariel Henry problème s'il le faut et même quitter tête pays pour capable gagner yon autre transition qui pour organiser élection. Moïse Jean-Charles beaucoup de parle lui-même il s'est monté 777 fois fuck Ariel Henry li by pays et dimanche qu'a venir là il annoncé a gagner une gros manifestation et dans même manifestation ça c'est une possibilité qui gagne pour que depuis ces mouns qui trouvent une manifestation ça yo capable mettre du feu tout côté qui au joindre et bien pour forcer Ariel Henry quitter tête pays d'Haïti. Actualité a dans pays États-Unis gagne gros duel en temps président démocrate là Joe Biden ensemble avec ancien président républicain Donald Trump dans cadre d'une visite qui au même yo te fait dans sous frontière qui partagé entre pays États-Unis ensemble avec Mexique et bien dans même visite ça gagné président Joe Biden en tant que président démocrate lui-même qui t'a voué toya sous ancien président et ancien président tout Donald Trump quand qui t'a profité même occasion ça pour capable voyer une série de toya sous président Joe Biden comme quoi que c'est à une monde qui pas connaît en réalité qui travaille qu'elle même ni à peine en tête pays États-Unis et lui-même montre tout c'est un pivier président que États-Unis pour que jamais connaît pour travail qu'elle même ni à faire que population même yo pas arrivé comprendre. Gagné zami internaute gros et grand hommage et bien dans ville Moscou ville ça côté que sinon occasion funérailles Alexei Alexei Alvani lui-même qui était une plus grand opposant président russe qui c'est Vladimir Poutine lui-même qui mouri bien yo ta même arrivé faire comprendre que comme quoi c'est ta Vladimir Poutine qui t'a arrivé et bien mettez deux citoyens ça à tête comme quoi qu'il fait vrai pour payer sans chapeau les mêmes qui enterré derrière dos madame ni et madame ni déclaré zami internautes ensemble avec toute petite li yo même yo a fait tout ça qui dépend de yo pour capable et bien rendre ni heureux derrière dos pour que les mêmes capable aller joindre moun ni pas joindre directement pour que capable vivre très bien et sans contrainte. Voilà madame mademoiselle et messieurs c'est tout pour ça yo avec divers d'autres nous t'arrivé développer pour dans journal ça n'a pas quitté ensemble avec VOA Creole pour que capable joindre plus d'informations et plusieurs reportages. Ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Je dis à ce vendredi 1er mars, nous souhaitons tout pour nous passer un bon mois de mars. Quelques grands points cap dominer actualité. Jodi a lavé visage nous les peuples là. Arrêtez Ariel. Jimmy Cherizier alias Barbecue rencontré yon l'autre fois encore avec la presse. En compagnie yon paquet l'autre monde qui était bien armé pour dire y a continué mouvement yoa net alcoolé. Kenya ak Haïti signé yon accord pour officialiser déploiement 1000 policiers kenyans dans pays d'Haïti dans cadre mission multinationale pour sécurité. Actualité ici aux États-Unis, duel démocrate républicain dans occasion visite président Joe Biden ak ancien président Donald Trump sous frontière États-Unis partagé ak Mexique. Et puis gros et grand hommage dans ville Moscou dans occasion funérailles Alexei Navalny qui était opposant numéro 1 président Rousla, Vladimir Poutine. Avec l'autre encore nous pourrons le développer pour dans un petit moment et nous pourrons d'abord dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince côté que ça chauffait encore hier te grand pile et boukanta et coup de zam entre la police avec gang armé, gen 4 policiers qui mouri et gen même l'autre information qui t'a fait quoi que gon l'autre qui disparaît. Mais d'abord nous pral nan Port-au-Prince pour nous connaître qui Jean ça y est bien que t'es gon ti calme au nan commencement journée. Nous pral rejoindre Massia Dovilme qui dit nous que ça chauffait surtout dans zone pénitentiaire nationale.
besoin de l'hôpital général et il y a une situation vraiment compliquée et plus bas et dans une zone périmètre pénitentiaire national et zone palais national et zone et tribunal administratif et bien une situation est vraiment compliquée là il y a Igbo et responsable Igbo qui a demandé et policiers pour capable replier. Nous ne connaissons pour quelle raison, mais nous disons que la police lui-même est déterminée vraiment pour lui et croiser le groupe civil Améo qui a cherché à accaparer la capitale Port-au-Prince. Capitale de ma projet, vous savez, vous me dites, c'est plutôt capitale du pays. Eh bien, nous disons, c'est pas seulement dans la direction ça, du côté de Bel Air, et on dit dans la direction de la capitale là tout, et il y a un groupe civil armé qui a tenté d'envahir tout. Et donc, nous connaissons une nouvelle déjà, c'est un mouvement qui vit ensemble, une structure qui regroupe plusieurs groupes civils armés qui sont dans la région métropolitaine là, et qui a simé la trouble, dans objectif selon sa porte-parole stricte ici là, et Michel Rizier alias Barbecue fait qu'on est dans le micro la presse, c'est un mouvement pour capable capoter. Donc c'était une idée de Kijan Saye dans la zone pénitentiaire nationale à côté que eh ben gen gang armé qui t'a essayé attaquer pénitentiaire nationale là n'a pas gain pour établir contact encore avec Port-au-Prince pour nous connaître et Kijan Saye faut dire que c'est quelques temps après que Haïti avec Kenya signé un accord sur sécurité que Jimmy Cherizier alias Barbecue rencontré une autre fois encore avec la presse Jodia pour demander policiers yo pour yo poté collé pour capable arrêter premier ministre Ariel Henry qui lui-même qu'on a trouvé dans Nairobi en temps des déclarations Jimmy Cherizier alias Barbecue Jodia qui c'est 1er mars 2024 là nous couvons nous bien bas devant famille policiers qui mouri dans cas d'affrontement et dans bataille qu'a mené pour libérer pays et nous a profité de la police nationale d'Haïti que bataille ça n'a mené en face de la police nationale d'Haïti. N'a profité mandé policiers pour ressaisir même gens nous même négazam nous ressaisir nous et puis nous identifier vrai ennemi nous. Je dis c'est pas nous même qui gagne zam là mais nous qui ennemi police nationale d'Haïti. Vrai ennemi police là c'est moun qui gagne comme police là dans mel et que pour te acheter matériel ba nous pour nous travailler. Vrai ennemi nous yo c'est moun qui était là pour ba nous assurance l'hôpital l'école gratis pour petit nous yo pas jamais faire. Vrai ennemi nous yo c'est moun qui dans organisation droit moun qui a fait arrêter nous révoquer nous dans mauvaise condition. Vrai ennemi nous yo c'est moun les nous mouri après 2 mois yo couper chèque là. Moi même qui parler là en tant que policier en GSLC, combien madame policier, combien petit policier, et que nous toujours continuons à appeler parce que la police là, elle ne prend pas soin de nous. Monsieur policier, bataille ça est bataille nous lié. Nous avons une opportunité qui est présentée devant nous pour nous laver le visage devant le peuple là. Pendant que nous crions pour frère nous mourir, moi-même, je passe l'étape ça déjà, je connais qui ça nous sentit. Mais est-ce que nous connaissons et que nous complices dans ce qu'a fait là? Les nous avons sécurisé une série de ministres qui ont déchirpillé l'argent pour acheter matériel pour nous travailler. Les nous avons sécurisé une série de directeurs généraux, nous connaissons voler, oui. Et nous même qui vrai gang, non. Et nous même qui vrai ennemi, nous. Je dis à laver visage devant le peuple là, arrêtez Ariel. Si c'est vrai, et que nous voulons faire des choses pour le pays, et pour les policiers, nous tous nets, militaires, pour nous mettre nous ensemble et puis nous dire bon vrai ennemi nous c'est gouvernement ça n'a pas débarrassé pays de Ariel Henry n'a pas arrêté Ariel Henry et que qu'on y a ensemble pour nous garder comment pour nous chita pour nous reconstruire pays hein n'a pas des peuples haïtiens groupe armé au pas en face nous car toujours des dommages collatéraux qui arrivent ça qui arrivait l'émission sorti dans la rue hein des balles qui tirées on malheureux qui a pris balle ce que nous déplorons. On malheureux qui a cherché la vie après balle, ce que nous déplorons encore. Mais cependant, nous avons une volonté manifeste côté que pour nous détruire les gens qui semblent nous. Nous-mêmes, nous avons identifié l'ennemi. Peuple haïtien, prends la rue. Nous demandons pour nous prendre la responsabilité. Nous prenons la responsabilité. Et le mouvement, ça n'est pas là. Il a commencé hier. Il a continué aujourd'hui. Il a continué après. Mais si vous le faites 2 mois, 3 mois, si vous le faites 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que non seulement nous jouons bout Ariel Henry, l'en fin capoter Ariel Henry, faut que nous arrangeons pour capoter le système ça qui là.
Donc c'était Jimmy Cherizier alias Barbecue dans non vive ensemble qui une l'autre fois encore l'y rencontrer avec la presse parce que hier t'ai rencontré avec la presse et il rencontre avec la presse aujourd'hui après que hier t'ai gagné 4 policiers qui perdu la vie dans Boukantal Koudzam avec la police et qui t'ai gagné plusieurs blessés tout et gagné commissariat qui incendie. C'est jodi à tout et que tant qu'on nous dit déjà que Kenya avec Haïti signé un accord sous sécurité et ça fait dans Nairobi et Premier ministre Ariel Henry est présent. Détail avec Sandra Lemaire. Kenya et Haïti signé un accord sous sécurité vendredi dans Nairobi que le gouvernement kenyan espérait va satisfaire demande au tribunal local t'est fait. Le lit décidé bloquer plan pour voyer 1000 policiers pays à en Haïti pour participer dans une mission sécurité. Si on s'y là que Nations Unies approuvé visé et des forces police nationales Haïti gérer zak violence gangyo. Tribunal là t'est bloqué plan parce que l'été dit que l'été inconstitutionnel. Kenya était le premier pays qui était volontiers pour contribuer 1000 policiers dans force multinationale là pour répondre à appel gouvernement haïtien t'est fait pour l'ONU voyer support international pour aider le confronter gangyo. Cependant, dans le mois de janvier, cour supérieure Kenya était bloqué plan. Tribunal a t'est dit seule façon pour y pousser pour plus devant avec plan, c'est si gagnent un accord réciproque entre deux pays yo. Pendant la cérémonie Nairobi, le président kenyan William Ruto a campé bon côté premier ministre haïtien Ariel Henry et puis fait convenir deux gouvernements aussi un instrument réciproque pour permettre déploiement en fait. We are making this response because it is what is right. Lidi n'a pas répondu comme ça parce que nous devons faire ça qui est bon pour l'humanité. C'est ça que chrétien vivant a fait pour chrétien vivant pareil. Donc nous très fiers dans le moment ça, côté Napsien encore. Nous c'était moins étape là dans réponse peuple pays d'Haïti mandé ensemble avec Timoun, femmes, société civile et peuple haïtien en général mandé. The women in Haiti, the civil society, and the entire society of the Haitian people. Premier ministre Ariel Henry te prend la parole tout. What this mission is bringing is hope for the future. Les dit sa mission ça a porté c'est espoir pour l'avenir, espoir pour chrétiens vivants, espoir pour haïtiens qui pas ka wè yon avenir. Moi pas dit pour année ka vini an, mais plutôt yo pas ka même wè ki jan yo pral rete vivant demain, ki jan yo ka tourner la caillou sain et sauf. Yo pas connait si yo capable quitter la caillou aujourd'hui et puis tourner à soir sain et sauf. Annonce la fête un jour après coup de zam te marié tout partout dans la capitale haïtienne, nan Port-au-Prince, jeudi. Gangyo te entré dans laisser frapper avec la police et puis bouler plusieurs commissariats et attaquer l'aéroport international tout seul ouverture là. Leader gang G9 là, Jimmy Cherizier alias Barbecue, dit VOA tout gangyo uni et que y a lancé une révolution. Principal objectif opération ça d'après lui-même, c'est déchouquer premier ministre Ariel Henry et puis empêcher le retourner à Haïti. Jodi an zam nan pa pou moun, ti machan nan ba la vil nan. Jodi an ap déchouquer Ariel, n'ap déchouquer politiciens santi yo. Après ça pour nous passer prendre oligarque corrompu yo et puis pour nous aller vers un autre Haïti, un Haïti réel, un Haïti qui gen travail, un Haïti qui gen manger. On a ici côté que nous toutes nous fiers pour nous dire que nous c'est haïtien. Monsieur te dit tout que gangyo pas après cibler population dans affrontement améyo. Cependant, journaliste VOA dans Port-au-Prince t'a parlé avec plusieurs monde qui t'est blessé par balle dans affrontement gangyo jeudi et puis un gang t'est prend d'assaut un autobus qui t'a pral dans région nord pays. Yo t'est vinn laguer passager yo pita mais yo t'est prend l'argent dans main yo d'après ça yo dit. Il prend balle là dans ventre dans pied sous dos pied et puis tout le prend une sous chouchouni il prend une dans cuisse plus que 5 ou 6 balles. Journaliste VOA yo dit coup de zam t'est chanté pendant toute nuit là et que matin t'est gain tiré tout. Yo t'est constaté moins moun dans la rue capitale là vendredi. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington.
Merci Sandra. Fandi que Gantan gen réaction par rapport à l'accord entre Kenya avec Haïti sous question sécurité. Par exemple, Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, Réseau National Défense Droit Monde, exprimé yon doute sous rapport à force multinationale là, à tout accord entre Haïti avec Kenya. Pierre Espérance. Même si on force Tabina, Kenya, quel que soit ça, lié. Les votre quantité. Et ce n'est pas force qui pourrait résoudre le problème alliance, connivence qui vient d'autorité dans la police, là, ou état-major de la police, là, moun nan gouvernement avec bandi. Ce n'est pas force qui pourrait résoudre l'instabilité politique, là, absence de gouvernance, absence d'état de droit, impunité. Là. Et son paquet qui est loué, ou, regardez ça qui passe, monsieur, le 29 février. Yo attaqué aéroport policier dans pleine bon repos yo cap bandi exécuté yo mandé secours yo mandé renfort yo pas jambe gardez ça qui passé airport là gardez ça qui passé et en bas la ville là en pile monde prend balle pas gon note non pas gon conseil et gouvernement ou bien CSPN réuni pour assurer la population. Non? Mais nous levons jeudi, messieurs, dames, nous prenons la RIA. Vendredi 1er mars, pas de policiers dans la RIA. Ça veut dire, si les gangs n'ont pas attaqué la porte jeudi, ils n'ont pas continué, c'est pas parce que peut-être bon, l'autre qui a recevoir, mais ce n'est pas la disposition que la police prend pour garantir la sécurité de la population. Qui donc, bon, et qu'on force qui vient sous pas un gouvernement fonctionnel, sous pas un gouvernement qui travaille dans l'intérêt de la population, et pas aucune possibilité que force après améliorer la question de sécurité. Pierre Espérance, c'est directeur exécutif RNDDH, Réseau National Défense Droit Monde, dans le pays d'Haïti. Et tandis que selon une source qui soutient la police nationale, il y a déjà une enquête qui est déjà ouverte sur ce qui est passé hier là dans le pays d'Haïti. Et je pense que l'enquête là tout a considéré aujourd'hui à tout parce que il y a pile coup de zam qui a chanté là, dans un moment, n'a pas parlé là, nous sommes qui chantent, qui gens que, eh bien, il y a pile coup de zam qui a chanté Bozone pénitentiaire national. Neg Axam attaque tout commissariat Rouen à mettre là, bien bonheur matin. Et Jodley Junior Saint-Ville a dit non plus. Situation insécurité a grandi chaque jour plus dans la commune Wanamet, département Nord-Est. Jeudi vendredi 1er mars 2024, là, il était environ minuit 50, un groupe moun armé yo pas identifié attaqué commissariat police là. D'après information nous joignent qui sorti bon côté responsable commissariat Wanamet là, commissaire divisionnaire Ronald Eugène, policier était déjà connaît ça ta capable arriver et était préparé pour ça. Sans trop de difficulté, ak bakop Udmo qui te vin renforcer troupe là, yo te repoussé à saillant yo. Attaque là qui te dirait environ 15 à 20 minutes, pas te fait victime. Dans moins passé yon mois, commissariat police Wanamet là subi deux attaques armées. Toujours d'après commissaire Eugène, la police continue à faire travail li pendant y a coupé tout bandi qui voulait simayer la Pérez dans commune là. Pendant dernier jour si la yo, environ yon dizaine moun fè voile pour pays sans chapeau à cause phénomène insécurité qui passe suspend monter dans Wanamet. Presque chaque soir dans plusieurs quartiers, moun capable tande rafale coup de zam toute qualité cap tiré. Ça qui lagué gros qui sauté dans mitan communauté a. Jodley Junior Saint-Ville depuis Wanamet au VOA Créole. Merci, Jodley Junior Saint-Ville. Donc, insécurité a levé campé à plusieurs côtés dans la capitale là et dans quelques villes, provinces ou sous VOA Créole. Ou à suivre un programme dans langue créole haïtien. Restez branché. Cloche, l'église icône de la Mère de Dieu, Cléronène en ville Moscou, capitale pays la Russie pour accueillir plusieurs milliers sympathisants qui te vinn rendre un dernier hommage by Alexei Navalny, opposant numéro 1 président russe Vladimir Poutine. C'était un gros hommage, c'était un dernier hommage pour opposant politique là. Un gros système sécurité avec un pile policier te présent dans l'occasion. Deux semaines après la mort Navalny, dans circonstances qui jusqu'à présent étaient floues, dans une prison colonie pénitentiaire à Tikla, parents de fer étaient recueillis devant Sekeli, un cercueil qui était chargé avec fleurs sous tout corps cadavre dans une cérémonie orthodoxe. Et là, ils ont après le fermé
cercueil là en pile moun t'a prélé pour mander yon dernier chance pour yon joindre possibilité pour yon dire au revoir. Après ça, yon tal enterré dans yon cimetière dans la capitale rousse là. Tout ça en absence madame ni ak petit li qui nan pays étranger. Et madame défunt, Lulia Navalnia, te mette yon message sous compte X li. Yon message qui dit: moi pas konnen ki jan m'ap fè vivre sans ou, mais m'ap fè sam capable pou ou même ou capable heureux et fier de moi côté ou yé en l'air. C'était un gros foule, que c'est devant l'église là ou devant cimetière Borisovoa, moun yo tap rele, yo tap voye slogan monté pendant yo tap cité non défunt Navalny. Porte-parole président Poutine nan, Dimitri Peskov, te sorti un communiqué pour dire toute manifestation qui pas joine autorisation interdit. Funérailles ça qui rassemblait plusieurs milliers de monde et qui t'a fait un pile déclaration en faveur défunt qui dit que c'était un grand homme. Il fait quelques semaines avant élection présidentielle qui pral dérouler dans le pays la Russie. Alexei Navalny est mort vendredi 16 février alors que l'État a purgé une peine 19 ans pour extrémiste d'après la justice russe. Puissance occidentale parmi les États-Unis la guerre en mort sous dos Vladimir Poutine, une accusation Kremlin toujours rejetée. Donc, funérailles ça déroulé pour gagner élection dans quelques semaines là, pour ne pas dire quelques jours dans le pays la Russie. Ou sous VOA créole, on va suivre un programme dans la créole haïtien. État-nation, président Joe Biden pral présenté bilan politique li by nation dans un discours devant deux chambres congrès réunies et devant nation américaine. Jour cap jeudi 7 mars 2024 ça. VOA créole ap sous place dans Washington DC pour pote ba ou live en direct. Discours président américain en créole. Journaliste VOA créole ensemble avec des invités analystes politiques pral permet ou vivre événement politique ça. State of the Union. État-nation branché sous VOA créole à partir de 8h30 sous toute plateforme VOA Creole. Branché VOA Creole. Yon rendez-vous pour pas rater 7 mars prochain. Actualité ici aux États-Unis, c'était un duel démocrate-républicain dans l'occasion visite président Joe Biden avec ancien président Donald Trump sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Marie-Louise Pierre. Président Joe Biden t'a visité frontière États-Unis avec Mexique jeudi 29 février parce que yon foule immigrant vin tourné yon problème dominant pour électeurs. Agent patrouille frontière yon t'a bay Biden yon compte rendu et leader américain t'a marché bon la rivière Rio Grande qui sépare Brownsville avec Mexique. Biden qui était sous défensive sous affaire ça dans dernier mois qui s'est passé yo té dans ville frontière Brownsville Texas côté il était critiqué parlementaire républicain yo parce que était rejeté un effort unité tous les deux boyo pour renforcer politique immigration après ancien président Donald Trump té mandé pour pas passer et puis bye Biden une victoire politique. Biden dit mesure il proposé yo t'a pas accéléré processus asile là et puis décourager monde traverser frontière yo. Mais ça, moi, t'as dit, Monsieur Trump, au lieu pour jouer politique avec problème ça, au lieu pour dire membre congrès à bloquer législation ça, rentrer dans moi, au soir, moi, pour aller rentrer dans où, dans 10 congrès à pour le passer projet loi sécurité unitaire, nous qu'a fait lien ensemble. Ou connaît, et moi connaît ces projets loi sécurité frontière qui pis du, qui pis efficace, que pays ça a tes gens moi. Qui donc, au lieu de jouer politique avec problème là, pour qui ça nous pas juste mettre tête nous ensemble et puis jouer une solution hein. En songer pour qui monde n'a travail. Nous travaillons pour peuple américain, pas parti démocrate là, ou soit parti républicain. Nous travaillons pour peuple américain. Trump qui a une chance pour l'opposant républicain Biden dans l'élection novembre là, de visiter les frontières tout côté officiel lui était informé avec gouverneur Texas Greg Abbott bon la rivière le Fouette là avant de parler dans Shelby Park dans Eagle Pass. Now the United States is being overrun. Kounia, États-Unis a envisagé crime migrant Biden yo, c'est une nouvelle forme, une violation vicieuse dans pays noir. C'est crime migrant. Nous relè les crimes migrants Biden, mais ça a un petit crasse trop long. Qui donc, nous pas juste quitter lui. Mais chaque fois autant des thèmes crime migrant, ou connaît qui côté ça sorti. Biden t'est monté sous pouvoir dans l'année 2021. Il était promettre pour renverser politique immigration Trump yo, mais il était venu renforcer propre approche pali.
en bas pression républicain yo qui accusé comme quoi li pas contrôler frontières. Biden te mandé Congrès année passée pour bay plus financement pour faire renfort et il te dit que li t'a fermé frontières si li te bay nouveau autorité pour faire migrant yo tourner. Quantité immigrant yo te kembe qui t'a traversé frontières États-Unis avec Mexique là illégalement te battu un record 250 000 pour un mois. Dans mois de décembre seulement. Mais il était diminué à moitié dans le mois de janvier. Une tendance officielle américaine attribuée à augmentation service mexicain pour faire respecter la loi à tendance saison 1. Marie-Luc Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luc. C'est à cause de difficultés qui gagnent sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Un pile immigrant haïtien obligé résigner dans le pays Mexique. Côté y a vivre rêve mexicain au lieu de vivre rêve américain. Valérie Saint-Louis. Pile haïtien obligé rabattre sous rêve mexicain au lieu de rêve américain face à fermeture frontière qui sépare États-Unis à Mexique. Et Vince Luxama, tant que plusieurs milliers d'immigrants, t'es obligé de faire bac sous frontière Mexique là, bien que l'idée pas lui, c'était jeter pour lui quitter un pays en bas la trouble et violence gang, surtout dans la capitale là, Port-au-Prince. Disons que ça fait près de 3 ans que Haïti est est-ce que vivre en Haïti est comme insupportable? Comment pour des gens qui travaillent, pour des gens respectueux, en Haïti, c'est quasi impossible de vivre en Haïti. L'Evans a quitté Haïti, côté que le tap géré un restaurant, c'est seul ambassade Mexique là, dans Port-au-Prince, qui était toujours à bail visa. Dans le mois de janvier 2023, gang yote kidnappé yon cousin li ak se partner li. Yote la gueule après que yote payé rançon. Épisode ça a été précipité voyager pour pays Mexique. Côté que Jounen Jodia l'ap travaille comme yon éditeur pour yon compagnie production. Li te arrivé jouen statut réfugié li dans pays Mexique. Je voulais aller aux États-Unis, mais Mexique est le pays qui offre comme une opportunité que je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y a. Qui a autre pays qui l'offre en ce moment. Changement dans la loi avec le règlement américain avec militarisation frontière poussé haïtiens à opter pour rêve mexicain. Et 21 n'a pas mis 141 000 monde qui étaient appliqués pour asile dans le pays Mexique en 2023. Majorité dans eux était sorti Haïti, Honduras à Cuba. En pile haïtien t'est arrivé quitter pays puis arrivé dans pays Mexique dans l'année 2021. Une année qui était marquée par un autre tremblement de terre qui t'est tué presque 2300 000 monde. Et puis en 2021 tout après plo assassinat président Jovenel Moïse t'est poussé haïtien ça quitter pays. Dans le mois de septembre 2021, plusieurs milliers d'immigrants, surtout haïtiens, t'est rassemblé dans Ciudad Acuña dans nord pays Mexique dans espoir puis t'est arrivé aux États-Unis dans capitale Mexique là. Et c'est dans capitale pays Mexique là que haïtiens au plus présent, yo joint travail informel qui mal payé. Qui paye abattable, mais quand même, c'est là qu'ils arrivent vivre dans camp ou bien dans village en dehors capitale. Pendant la pandémie, une grosse quantité d'ailleurs ont été immigrés vers le pays Chili à cause de discrimination et difficulté pour rejoindre des statuts légaux, d'après l'organisation non gouvernementale, ça qui est le Human Rights Watch. Mexique, ils t'acceptent. Non seulement les Haïtiens, tous les étrangers, ils t'acceptent. Ils font tout pour que tu te régularises, que tu as tes papiers, et avec tes papiers, tu peux amener ta famille à vivre avec toi. Johnny lui-même t'a préféré rester dans le pays Mexique, malgré que t'es envie de vivre aux États-Unis. Le pays d'Haïti a fait face à une grosse crise sécuritaire et humanitaire depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Quantité homicide qui rapporté a augmenté de 119,4% en 2023, comparé à l'année 2022, avec 4789 victimes crimes qui rapportaient. Pour moi, c'est très dur parce que des fois, ta famille t'appelle, ils te demandent quelque chose, ils veulent avoir quelque chose, ils se sentent menacés, et toi, tu es ici, tu ne peux rien faire. Immigration vient comme un thème dominant dans la campagne électorale américaine qui vient là. Le président américain qui candidat pour l'élection, Joe Biden, a promoté quelques lois dans le programme immigration TPS qui a permis résidence et travail à plusieurs milliers haïtiens, mais c'est pour seulement les gens qui sont arrivés dans le pays avant 6 novembre 2022. En décembre année passée, a plus passé 302 000 immigrants toute nationalité été interceptés sous frontière Mexique avec États-Unis. Côté tout que déporté 520 000 mettez dur dans pays à dans mi-temps mois mai année passée. Pour VOA Créole, Valérie Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis, nous pratiquement arrivé dans dernière ligne droite rendez-vous info pour aujourd'hui, c'est 1er mars 2024 et nous dit nous et y a un bon mois de mars et font dit tout que gagne Serge Rodriguez qui a fête le demain 2 mars là n'a pas tourné sous ça mais grand pile fois yo parler de documents secrets non président Joe Biden était associé à lui et non ancien président Donald Trump non associé à lui et Jodia il était paraître devant un tribunal dans Miami et ta Floride côté que nous te gain Pierre Renel René
qui était présent. Depuis le matin, tout autour de tribunal-là, et ça a causé une sorte de blocus dans tout le monde, puisque la police est dans tout le coin, donc ça a interdit la circulation dans une police-là. Matin-là, côté partisan Donald Trump, ils ont mobilisé depuis le matin avant Donald Trump d'arriver. Voilà pour une première information qui est jouée avec Audi Sosa. Nous devons, dans là, en attendant, et l'autre détail couvré concernant Audi Sosa qui a fait la séance. Donc c'était Pierre-Renel René qui était devant tribunal ça, qui t'a accueilli ancien président Donald Trump et qui allait dans le procès d'après que si on t'a capable de retarder le procès concernant les documents secrets que tu as joint la Kaili et même en polémique entre président démocrate Joe Biden avec ancien président Donald Trump et nous capables de fanatiques qui étaient venus en général les gagner. Et apparition dans le tribunal ça yo fanatique ancien président Convini et grand pile moun k'ap analysé qui dit que apparition ça yo kon aidé ancien président pour le capable faire bon marathon pour le capable recueillir l'argent pour li capable mener campagne mais et gen l'autre spécialiste qui dit tout que eh ben c'est une technique une stratégie une méthode qui pas bay même résultat encore et parce que yo wè que gen moins l'argent qui rentré et qu'on y a le ancien président paraît devant yon tribunal donc c'est comme ça est n'a suivre nous connaît que ancien président a fait face à un pile et procès notamment 4 procès et c'est première fois ça a fait dans l'histoire c'est une page de l'histoire qu'a écrit avec ancien président Donald Trump qui a fait face à la justice nous pratiquement arrivé dans fin programme là nous voulons de façon très très spéciale souhaiter collègues nous amis nous frères nous cavalier Paul Cano Serge Rodriguez qui jodi a pas avec nous dans nouvelle souvenette mais vedette la fêter donc demain c'est fête le 2 mars donc nous souhaiter tout ça qui bon nous souhaiter beaucoup de bonheur beaucoup de joie beaucoup de santé dans notre tout service que là donc bonne fête Rodriguez et puis nous saluer tout Chica et qui même a fêté tout l'autre monde qui a fêté pour mois de mars qui fait commencer moi c'est Jacques Lembelizer bonsoir et passez un bon week-end merci gentil merci Jean-Marc Hervé Abelard merci Franklin et merci et grand l'autre monde que moi oublié Abdel Rahman nous saluons tout bonsoir tout le monde bon week-end.